kahari nta kupata sukata ko ni so hata ne do resu dano andam la tamar gambe wala kila tamar gambe ko ni ko tura ko mai assalamu alaikum bandrabe musibe hetti be tro de radio kokoriko jamini on min duri mo woni kala indi mo e to dum non bandrabe sira be ketto de yo tre men ande andura bare inate madame aisha mi wa musidɗo men ba aissata ko jooɗi ko toto France ko sociologue ko ngendiyanke ko dariɗo lang ngam ɓamtude e rendo men ɗum noon hannde noon waɗanta men ko yewtere e France chers auditeurs de radio kokoriko nous voulons vous présenter madame Ba Aissata qui est en France et qui est sociologue, qui est dans le développement et surtout dans le domaine communautaire. Donc madame Aissata, assalamu alaikum, vous pouvez commenter, voilà, vous pouvez vous présenter, vous êtes de Radio Coco. Bonsoir monsieur Diouf, merci pour cette introduction. Donc nous allons, avant tout, je salue l'ensemble des auditeurs, je salue bien entendu monsieur Dia et vous-même, monsieur Diop. Je suis honorée de conduire cette animation avec vous deux. Alors, nous allons poursuivre dans la même lancée qui est celle de traiter la question de l'identité africaine, une réalité à réinventer. Problématique sur laquelle nous travaillons depuis un bon nombre de temps, et donc nous allons poursuivre dans cette même lancée, sachant que l'enjeu, c'est bien d'échanger. Il ne s'agit pas de donner une approche définitive, rien n'est gravé dans le marbre. Tout s'instaure en fait dans l'échange, la discussion. Donc sujet à des questionnements, les contributions sont les bienvenues, les critiques positives aussi. Alors, par rapport à aujourd'hui, pour rappel, en fait, on avait eu le temps d'aborder la question du moi, du sujet entre lui et lui-même, donc quel travail conduire vis-à-vis de soi pour libérer en fait notre potentiel le meilleur. On avait traité cette question de long en large et dans un second temps, on avait aussi abordé la question de l'éducation et aujourd'hui, nous abordons les questions de l'égalité homme-femme, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, nous proposons de le traiter en trois temps, la question de l'égalité homme-femme. Déjà, de tenter en fait de réfléchir sur la notion d'égalité homme-femme, la notion notamment de parité et d'égalité, voire de genre, qui est une problématique qui est en tout cas rappelée en Afrique, qui est évoquée. On ne peut donc l'occulter. Nous allons aussi tenter de réfléchir sur les dépenses improductives. J'ai nommé les festivités, les grandes festivités lors des mariages, des baptêmes, etc., qui ont certes un rôle social, mais aujourd'hui, telles que les fêtes se font, elles sont problématiques pour le développement puisque nous tentons de réfléchir sur les voies et moyens pour une transformation heureuse de l'Afrique. Le dernier point, c'est celle de réfléchir sur les familles. Parce que on ne peut pas effectivement proposer un développement, une transformation heureuse sans réfléchir sur la première cellule des sociétés, à savoir la famille. Si les familles sont sécurisées, si les enfants sont sécurisés, la société sera sécurisée demain. En conséquence, il est essentiel de réfléchir sur les modalités de faire famille aujourd'hui, que ce soit dans les pays de départ en Afrique ou dans la diaspora, voire dans l'ensemble du monde, puisque aujourd'hui les familles sont en transformation. Parfois, nous assistons aussi, malheureusement, à de réelles crises au sein des familles. Donc, nous allons tenter de donner notre vision pour favoriser, un temps soit peu, apporter notre petite contribution à l'harmonisation des familles au-delà des liens humains. Alors, la première. Pour revenir au premier point, donc sur l'égalité homme-femme en termes de définition.
La première chose, c'est qu'effectivement, au regard en fait des transformations de l'Afrique, surtout dans le monde rural, on se rend compte qu'aujourd'hui, la parité, quand on la pose, même si elle semble problématique, c'est une réalité aujourd'hui en Afrique, tout simplement parce que surtout dans les pays où l'immigration masculine est forte, on se rend compte que les femmes jouent un rôle essentiel dans le monde agricole, notamment dans le maraîchage, etc. En conséquence, l'ensemble des recherches et des études montrent que la participation des femmes est essentielle et que aujourd'hui, elles sont incontournables dans le processus de développement en Afrique. Ce qui pose aujourd'hui problème, c'est pas la question de la parité, c'est autrement dit, est-ce que les femmes peuvent participer à toutes les sphères décisionnelles, économiques, politiques, sociales? Ça, les faits le montrent, elles peuvent bel et bien le faire. L'une des premières, Angela Merkel est à la tête de l'Allemagne, mais c'est une femme. Mais ce qui pose problème, c'est plutôt la notion d'égalité, d'une part, et d'autre part, comment c'est conduit. En même temps, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion historique sur, en fait, le cheminement du féminisme. Aujourd'hui, on parle plus de féminisme, on parle de genre, mais il y a lieu de se poser des questions sur, en fait, cette idéologie, puisqu'elle interpelle de plus en plus l'Afrique. Et malheureusement, on le sait, notre continent est un continent qui a tendance à prendre des solutions exogènes et à les importer en Afrique sans les réadapter, et cela peut poser problème. En conséquence, mais je crois qu'au-delà, en fait, au-delà de l'Afrique, la notion d'égalité conviendrait de la critiquer en termes d'approche. Parce que lorsque les féministes ont inventé, du temps d'Olympe de Gouges, il y a plus de 200 ans, ont inventé en fait ces théories, c'était du temps où les femmes, vraiment, l'ensemble des droits des femmes étaient vraiment mis en cause. En conséquence, les théories féministes étaient à la hauteur de l'aliénation et de la domination des femmes. 1945, le droit des votes, c'est récent. En Europe, plus particulièrement 1968, est un tournant. Et puis, il y a eu, au niveau du droit, la reconnaissance de l'autorité des femmes. On est passé de la puissance paternelle à l'autorité parentale. Cela ne veut pas dire que les sociétés africaines sont passées de la puissance paternelle à la puissance parentale. Au niveau du code de la famille, au Sénégal, par exemple, c'est le cas. Mais il n'en demeure pas moins qu'au niveau du droit coutumier, les femmes, quand on regarde en fait les traditions africaines, on se rend compte en fait que les mères ont un rôle essentiel, en fait, important. En conséquence, il me semble, hein, des recherches plus affinées démontreront qu'effectivement, il y avait une autorité parentale. Mais on ne va pas s'y attarder trop longtemps. En tout cas, la notion d'égalité, je pense qu'il faudrait des points de vigilance, d'autant plus qu'on pose les choses sous l'angle des reproches. Les féministes avaient bâti en fait cette idéologie en termes d'opposition homme-femme. Or, pour transformer, je crois qu'il faut sortir des reproches. On ne transforme pas quelqu'un en lui faisant constamment des reproches. Or, c'est ce qui se passe actuellement. Le féminisme tel qu'il existe passe son temps en fait à opposer les hommes et les femmes. Et si on continue comme ça, on ne s'en sortira pas. Alors que l'approche genre est les plus heureuses. L'approche genre intègre à la fois les hommes et les femmes et dit que la transformation des hommes passe par les femmes et la transformation des femmes passe par les hommes. Mais je crois qu'il faudrait poser les choses sous l'angle, en fait, qui apporte une plus-value à l'ensemble des deux parties, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes. Et nous y reviendrons, par exemple, dans les familles. Quel est l'apport du travail des femmes dans les familles? Et cela, pour l'Afrique, il est important de se poser ces questions parce que beaucoup de femmes, effectivement, travaillent, mais il convient de se poser la question de savoir, lorsqu'elles travaillent, est-ce que c'est une vraie plus-value pour les femmes? Cela est important. À l'heure où nous sommes, il est important que les femmes travaillent, mais il est important que ce travail participe à une transformation heureuse des familles. C'est ce qui se passe en Europe. On a tendance à emprunter des modèles extérieurs, mais le drame parfois en Afrique, c'est qu'on ne prend que malheureusement certains aspects négatifs, parce qu'ici, lorsque les femmes travaillent, elles participent réellement au devenir des familles. Elles ont un rôle important.
Et donc, c'est important que les femmes, lorsqu'elles travaillent, ne n'achètent pas que de l'or, par exemple. Il faudrait que ce travail-là puisse, en fait, participer, que ce travail participe à l'éducation, par exemple, des enfants, à faire famille, tout simplement, à faire humanité. D'autant plus qu'à l'heure où nous sommes, il n'y a plus de grands champs, il n'y a plus, en tout cas, les solidarités traditionnelles, en fait, s'essoufflent, tout simplement parce qu'on est passé du monde paysan à un monde du salariat, et donc en conséquence les mentalités doivent changer. Le second aspect en lien avec le premier, tantôt je parlais en fait des dépenses improductives. Certes, l'or pendant longtemps a été une forme de dépense positive puisqu'il s'agissait d'épargner, mais aujourd'hui au-delà de l'or, on n'a pas le temps, enfin je ne m'attarde pas trop sur cette question au niveau en Afrique, en tout cas on pourrait revenir là-dessus, mais je vais m'attarder plus sur les vrais freins au développement, c'est-à-dire sur les festivités, notamment les baptêmes et les mariages tels qu'ils existent aujourd'hui. Dans la société traditionnelle, en fait, ces solidarités participaient à renforcer les liens sociaux, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un devait en fait mettre en place une festivité, notamment un mariage ou un baptême, les familles venaient apporter leur force en termes de plus-value, une aide physique, une aide financière, etc. Et donc, les liens sociaux étaient renforcés. Or, aujourd'hui, on se rend compte que lorsque quelqu'un doit faire une festivité, lorsqu'il y a un mariage, un baptême, la personne est malheureuse parce que tout simplement, il se dit, mais comment je vais faire? Elle va prendre l'ensemble de ses économies, les mettre dans cette festivité et se retrouver endettée pendant des années et des années. En conséquence, je crois que les politiques publiques devraient s'y mêler, parce qu'on a tendance à se dire, mais c'est de l'ordre du privé, donc nous ne nous mêlons pas, on va pas trop se mêler. Et je crois que justement, si on dit que c'est un vrai frein, c'est parce que, effectivement, une action plus deux actions plus trois actions, or c'est une réalité, dans toute l'Afrique aujourd'hui, on se rend compte que ces festivités, telles qu'elles se font, dans bien des cas, posent problème. Et donc, l'État doit se mêler. Je vous donne un cas concret. En Gambie, par exemple, le président Yahya Jammeh a mis en place une loi qui dit qu'en fait, qu'à chaque fois qu'une femme mettait des produits pour se décalquer la peau, appelé en Wolof, couramment on l'appelle Fersal, c'est-à-dire le fait de se dépigmenter la peau, de mettre en place une loi. Et a priori, on pourrait croire que c'est une volonté individuelle. Quel lien avec le politique? Tout simplement parce que lorsque les maladies vont découler en fait de ces choix individuels, les problèmes de santé publique vont se poser. En conséquence, l'État doit s'y mêler. Ça, c'est une part. Mais même du point de vue de l'identité, de l'identité de la femme africaine, cela pose problème de l'identité de l'africaine tout simplement. Et en conséquence, il faudrait aussi réfléchir sur, en fait, ce ne sont pas des actes simples. Et nous aurons le temps de revenir sur cela une autre fois. En tout cas, du point de vue des dépenses, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Marcel Mauss dit qu'en fait, ces dépenses sont des potlatches. Potlatch, ça veut dire tout simplement une destruction des biens. Il avait étudié une société en fait en Océanie, en Papouasie et Nouvelle-Guinée, et il avait montré qu'en fait une population bien déterminée avait tendance à lors des festivités à détruire beaucoup de biens. Cette destruction de biens avait une visée d'abord sociale, politique, économique, c'était en fait pour avoir des capitaux plus importants. En Afrique, donc, tel que les choses se passent actuellement, on assiste bien à des potlatches, c'est-à-dire à des destructions de biens pour améliorer sa position sociale, économique et politique. Mais en même temps, pour l'Afrique, on ne peut pas faire l'économie en fait des réalités à la fois culturelles et religieuses. Du point de vue culturel, cette approche n'est plus pertinente. Il faudrait en conséquence se dire que c'était un construit social pertinent d'il y a 100 ans, 200 ans, ces festivités telles qu'elles se passaient. Et aujourd'hui, il y a lieu de déconstruire ce construit social pour construire, en fait, de nouvelles façons de fêter, plus adaptées à nos réalités. Et de ce point de vue, moi, je suis convaincue que les politiques devraient se mêler. Et par exemple, à chaque fois qu'il y a des festivités, trouver des médiateurs qui vont d'abord, dans un premier temps, sensibiliser, conduire des réunions, parce que
Un changement s'inscrit toujours dans un processus. Un changement, me semble-t-il, ne doit jamais être brutal. Il faut prendre en compte la réalité, conduire en fait, mettre en place des cadres de concertation, des lieux de concertation, parce que transformer, même si ce sont des transformations salutaires, il faut convaincre, il faut sensibiliser, pas à pas, ne pas se presser. Et enfin, il faudrait sanctionner, c'est-à-dire mettre en place des agents qui vont aller dans les festivités et donner des amendes aux familles. Et je crois que ces fa les familles vont pouvoir se saisir de la juridiction et mettre fin, avoir une légitimité pour limiter en tout cas les dépenses. Je crois que cela favoriserait le développement. Au lieu d'investir dans des dépenses improductives, les familles vont investir dans des dépenses productives. Et donc, pour moi, cela va participer de façon réelle à l'avancée de nos sociétés. Et au lieu de, par exemple, investir dans des festivités, les femmes peuvent mettre en place des entreprises, en tout cas mettre en place des activités génératrices de revenus. Le troisième point qui... Allez-y, monsieur. Oui? Faire une pause musicale et revenir là-dessus. Sur le troisième point. Et on demandera de vous rapprocher un peu du micro ou de maintenir le volume pour que le public voit. Il y a un petit peu faible. Nous reviendrons là-dessus bientôt. Chers auditeurs de Radio Cocorico, on se retrouve dans une minute. Kotlono du mo o wi tag Abdul Ata wala biabo Mamadou Mayram ko gorko gawlo wiete non leedi nyami golle mako kiddi ba ga min kulen am suza e katul mo koni kutar boye ngunda fof la do ko mayde yo yurme dalla wone ma hol jimno dombo Alhaji Baydi Bass Lady Nyami Jobira kala holuma e aduna ko lubal ala ko rokki neddo o fandin dum ala ko teddi fittado para hude neddo sekuru gula gorko gawlo yarani gacci Voilà, chers auditeurs de Radio Cocorico, nous vous saluons encore une fois et vous demandons de bien rester avec nous. Nous avons en ligne Madame Aïssata Ba, voilà, Ba Aïssata. Elle nous fait part de ses recherches, de ses retrouvailles, trouvailles sur la question du développement, surtout de l'implication de la femme dans le développement de notre continent et de nos pays respectifs qui sont la Mauritanie, le Sénégal, le Mali ou n'importe où en Afrique de l'Ouest. Je crois que Madame Ba, vous avez bien fait, vous avez bien dit sur les trois, sur les deux premiers points. Et nous allons entamer le troisième point, qui est, selon vous, la femme, l'implication de la femme dans le développement de la famille, dans le développement de la société en général. Donc, vous pouvez y aller, Madame Ba, sur le troisième point. Oui, je vous remercie, Monsieur Diop. Donc, nous allons nous atteler à traiter le dernier point, donc qui va réfléchir sur comment faire en sorte que les familles soient harmonisées. Et quand je dis les familles, je pars en fait du plus proche, de ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, et j'élargis à l'Afrique et j'élargis à la diaspora africaine pour mais en même temps, cette question, il est important de le rappeler, touche en fait l'ensemble des humains sur cette terre. Parce que la façon de faire famille, la façon d'harmoniser les liens, c'est une problématique qui touche l'ensemble des hommes et des femmes sur cette terre. C'est un point important. Alors,
Aujourd'hui, nous sommes dans un tournant où les liens sont problématiques, les liens humains sont problématiques, et les liens hommes-femmes sont devenus problématiques. Et donc, nous tentons de réfléchir. C'est quelque chose de simple et de compliqué, puisque la thématique, je le rappelle, s'intitule en fait l'identité de la société africaine, une réalité à réinventer. C'est-à-dire que puisqu'il s'agit de réinventer, il s'agira de tracer ensemble les contours de chemin à venir, donc qui n'existaient pas. Et quand on parle de famille, c'est pour faire en sorte que les enfants que nous allons socialiser au sein de ces familles puissent demain libérer leur potentiel le meilleur. Et en fait, il n'y a pas les mêmes causes. En sociologie, on dit que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et tant que à chaque fois qu'il y a des familles problématiques, à chaque fois qu'au sein des familles, il va y avoir trop de problèmes, en fait, c'est presque... C'est les mêmes causes produisent les mêmes effets. En fait, on peut... tout laisse... Enfin, malheureusement, il n'y a pas de déterminisme dans le social, mais malheureusement, quand il y a trop de problèmes dans les familles, les enfants, en fait, peuvent avoir, ça peut impacter de façon défavorable sur les enfants. Et donc, il est important pour que l'Afrique se transforme de façon heureuse, il est important de créer des familles sécurisées pour que les enfants puissent justement avoir une socialisation, une éducation tranquille, et cela est important, me semble-t-il. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a deux c'est de soi, en fait, de plus en plus soi, c'est un taux de divorce extrêmement élevé, mais pour moi, c'est le moindre mal. Le danger, l'autre danger, en fait, que je vois, que je perçois de plus en plus, c'est que dans bien des cas, malheureusement, les contrats matrimoniaux, les familles, les gens restent ensemble, les hommes et les femmes restent ensemble, mais c'est comme si, en fait, excusez-moi du terme, dans bien des familles, on se rend compte qu'en fait, que les mariages devenaient comme des sortes de prisons, c'est-à-dire que les hommes et les femmes sont ensemble, mais c'est des liens, en fait, il n'y a plus de connexion. C'est un peu comme si vous aviez Internet, vous aviez votre ordinateur, mais les gens n'arrivent plus à se connecter. Et surtout surtout par exemple dans les sociétés occidentales où la vitesse, les personnes sont engagées dans plus de vitesse, et cela, je crois que c'est quelque chose qui doit parler à la diaspora américaine, puisque c'est une société à vitesse. C'est vrai qu'ici en France, les gens courent beaucoup, surtout ici à Paris, les métros, etc., etc., mais aux États-Unis, je crois que la vitesse est encore plus grande. On conseille, mais cette réalité que je pose n'affecte pas que la diaspora, elle n'affecte pas que le monde occidental, elle affecte le monde urbain, elle affecte le monde rural, c'est-à-dire qu'on est en tournant au niveau international, au niveau de l'ensemble du monde, on est dans une crise de lien, et cette crise de lien affecte aussi les relations hommes-femmes. Et donc, je crois qu'il faut revoir, il faut que les hommes et les femmes revoient leurs copies, parce que si les hommes et les femmes continuent à maintenir cette crise, en fait, le problème, c'est que ça va impacter, comme je l'ai dit tantôt, de façon défavorable sur les êtres que nous allons socialiser. Parce que vous ne pouvez pas socialiser, éduquer des êtres dans des structures problématiques et avoir des êtres non problématiques. Cela n'est pas possible. En conséquence, dans le tournant où nous sommes, il faudra réfléchir à comment réinstaurer des liens véritables entre les humains, en particulier entre les personnes qui sont engagées dans le processus de faire famille. Parce que quand on décide de faire famille, il faut réellement y travailler. Et donc, quand les gens sont ensemble, il faut réellement que dans les cœurs, les gens soient réellement ensemble. Des choses simples, par exemple, des notions de sincérité, il me semble que c'est quelque chose à ramener dans les familles, dans les liens, la notion de respect. Et aussi, insister sur le fait que les gens pensent, à chaque fois, ils disent bonheur, ils pensent que c'est pas possible. Le bonheur, il se construit avec le temps. Et, par exemple, dans nos sociétés, on a tendance de plus en plus, dans bien des cas, les gens, quand ils reçoivent, par exemple, des invités, ils ont plus tendance à s'investir le maximum possible. Alors que justement,
vis-à-vis de notre, de la personne avec laquelle nous vivons, homme ou femme ou enfant, il est important chaque jour de se dire, c'est vrai que c'est ma femme, c'est vrai que c'est mon mari, c'est vrai que c'est mon enfant, c'est vrai que c'est mon cousin, c'est ma tante, c'est mon oncle, quel que soit le type de structure, de se dire, je dois, chaque jour est une nouvelle vie, chaque jour investir dans l'instant présent, c'est-à-dire donner du temps, investir réellement le lien, qu'il soit dans la famille ou qu'il soit dans le travail, c'est important de se dire, de réfléchir à comment nous lui parlons. Quand nous recevons un invité, on fait attention à comment on lui parle et tout ça. Mais dans les relations humaines, dans les relations familiales, les gens, parfois, ont tendance, par exemple, à parler n'importe comment, à ne pas faire attention, alors que la notion de respect, pour construire le bonheur, justement, il faut travailler cette notion de respect, cette notion de sincérité. Et si nous nous impliquons chaque jour comme on le fait quand on reçoit un invité, je crois que les liens vont réellement s'améliorer, parce qu'aujourd'hui, trop de familles, je le constate malheureusement, les gens sont ensemble, mais les familles deviennent de véritables prisons. C'est comme si les gens avaient contractualisé, avaient signé, et qu'ils étaient bloqués, ils étaient bloqués à vie. Et donc, mais on le voit, beaucoup de gens n'arrivent pas à être heureux dans les familles. Et donc, c'est, je crois qu'il faut beaucoup, beaucoup réfléchir, surtout parce que pour les enfants de demain, cela est important. Alors, pour justement, je l'ai dit tantôt, en fait, pour que les personnes puissent libérer leur potentiel, les meilleurs en tant que citoyens, puisque le challenge de toute société, c'est de permettre à chaque acteur de libérer son potentiel le meilleur. En conséquence, il faudra faire en sorte que les familles libèrent leur potentiel le meilleur. Comment? C'est tout simplement de faire en sorte dans la vie de tous les jours de réfléchir à comment je parle à la personne, comment je lui parle, et est-ce que je lui parle correctement comme je le fais avec un invité, et donc commencer par le plus proche et aller au plus lointain. Et d'ailleurs, c'est ce que dit, par exemple, c'est ce que dit notre culture, mais c'est ce que dit, quand on parle par exemple de l'Afrique de l'Ouest, c'est ce que dit l'islam. C'est-à-dire, c'est de toujours commencer du plus proche au plus lointain. Or, dans les sociétés d'aujourd'hui, on part du plus lointain au plus proche, c'est-à-dire qu'on aura tendance à avoir une relation plein de respect vis-à-vis, par exemple, du patron ou d'un invité qui va venir chez nous, et moins de son mari, de sa femme, de ses enfants, de ses oncles. Alors que l'islam dit le contraire, en tout cas le vrai islam, quand je parle d'islam ici, c'est l'islam réel, qui va découvrir l'Afrique de l'Ouest, qui reconnaît l'autre, qui reconnaît tout autre. Parce que en islam, on dit l'arabe. C'est-à-dire le fait d'honorer l'ensemble des êtres humains. Que les gens croient ou ne croient pas, nous, en tant que musulmans, on n'est pas mandaté pour juger celui qui croit et ne croit pas. Et il y a un autre verset du Coran qui vient compléter cela, qui dit, par exemple, « La ikraha fi din, pas de contrainte en religion. Celui qui ne croit pas, il ne revient pas aux musulmans de le juger, c'est à Dieu de le juger. » Donc, c'est dans cet islam ouvert qui reconnaît l'ensemble des êtres humains que je m'inscris. Quand je parle d'islam, et donc il faudrait revenir à ces fondamentaux. Donc, si porteurs de foi, pour ceux qui ne sont pas porteurs de foi, sont porteurs d'humanité, sont porteurs. Donc, en conséquence, il est essentiel dans le tournant où nous sommes de redonner une vraie place à l'homme, une vraie place aux humains, parce que le capitalisme a détérioré les liens humains et les hommes. Plus ils ont, on se rend compte qu'aujourd'hui, les personnes ont beaucoup de matériel. Quand vous regardez autour de vous, vous avez des télés. On n'a jamais, les humains n'ont jamais possédé autant de choses et ils n'ont jamais été aussi malheureux. Et donc, par exemple, quand on parle de politique publique ici en France, on se rend compte que la consommation d'entités dépressives n'a jamais été aussi forte qu'actuellement. Quand vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte qu'on a de plus en plus des télés, des portables, des Samsung, le dernier cri et tout, mais plus on a et moins on est heureux. L'autre chose que je disais dans un cours, il y a une assistante sociale dans un cours que je fais des renforcements de compétences en direction des professionnels, elle me disait, mais tu te rends compte, il y a un immigré qui est là, il est venu parce qu'il est pauvre. Il vient d'un pays pauvre. J'ai dit, mais quand vous parlez de pauvreté, de quelle pauvreté vous parlez? Est-ce que vous parlez de pauvreté humaine ou de pauvreté technologique? Parce que, par exemple, en Afrique, dans beaucoup de villages, les gens sont pauvres au niveau
matériel. Et humainement, c'est des gens extrêmement riches. Mais regardez leurs yeux. Quand vous allez regarder l'éclat de nos yeux, dans bien des cas, vous allez voir que dans beaucoup de villages, ils possèdent tout. Mais dans leurs yeux, vous allez voir briller, en fait, la flamme du bonheur. Parce que il faut faire attention à la notion de pauvreté. De quelle pauvreté parlons-nous? Aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes piégés par les PIB. Et je crois que la notion de bonheur, on devrait l'intégrer dans le traitement. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup des PIB, on ne prend pas en compte l'équilibre des gens. De plus en plus dans les sociétés, dans beaucoup de sociétés, en fait, qui ont fait le choix du développement économique, on se rend compte que l'homme n'est plus au centre, et ce qui est aujourd'hui au centre, c'est bien le matériel. Et plus le matériel est au centre, et moins l'homme est au centre, et plus on voit des situations extrêmement problématiques. Quand on prend par exemple l'actualité, on se rend compte que par exemple, il y a beaucoup de cas, vraiment, cas sociaux. Par exemple, en France, aujourd'hui, récemment, il y a moins d'un mois, il y a une petite fille qui vient d'être tuée par son beau-père et sa propre mère. Et il y a eu un temps où on parlait de plus en plus de bébés congelés. Donc, c'était des phénomènes qui se répétaient. En conséquence, je crois que dans le tournant où nous sommes, il faudrait une dialectique. Puisqu'on parle de l'Afrique, il faudrait une dialectique entre l'Occident et l'Afrique. Voir quels sont les acquis de l'Afrique en termes d'humanisation, quels sont les acquis et quels sont les acquis de l'Occident pour justement créer une dialectique heureuse, surtout pour les émigrés que nous sommes. Je crois qu'on a une chance extraordinaire, c'est de pouvoir voir les limites en fait de notre tradition, de notre culture et les enlever, les faire un toilettage culturel au regard de notre culture et à l'inverse aussi, prendre en fait les choses positives en fait de la culture occidentale en termes d'organisation, de méthode. Il me semble que de ce point de vue, l'Occident a quelque chose à apporter à l'Afrique. Monsieur Diop, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des compléments? Merci pour ce développement qui est très bien arrangé. Et nous avons effectivement des questions et nous appelons nos auditeurs à aussi poser des questions. Nous avons quelques personnes en ligne, mais je ne sais pas si la technique peut nous permettre de nous contacter avec eux. Pour le moment, nous vous demandons de rester à l'écoute parce que nous allons en pause musicale et nous reviendrons dans 2 minutes. Restez avec nous. Oh, hey, oh, hey, ah.
Aujourd'hui consacrée au développement en général de la société, avec la communauté, et surtout avec notre invitée qui est Madame Baïsata. Madame Baïsata, j'avais une question avant de prendre quelqu'un d'autre en ligne. Vous m'écoutez, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très très bien. Allez-y, je vous entends. Ok, donc ma première question, c'était dans le domaine, disons, vous avez parlé de l'investissement, surtout des femmes, qui est l'or dans l'épargne. Est-ce que vous ne pensez pas que si elles avaient accès à la terre, comme par exemple le plus souvent les hommes dans les villages ou dans les centres ruraux, que les femmes peuvent apporter beaucoup plus dans le développement parce qu'elles ont accepté, elles ont accès à la terre et donc elles peuvent beaucoup plus, elles sont beaucoup plus innovatrices et peuvent beaucoup aider dans ce domaine-là. Alors, Monsieur Diop, beaucoup de recherches ont été conduites dans ce sens-là et malheureusement, elles montrent toutes que les femmes n'ont pas accès à la terre. C'est lié à beaucoup de choses, à de nombreux facteurs, à la fois religieux, à la fois culturels, etc., etc. Effectivement, il y a lieu de réfléchir aux voies, des moyens. Et comme je l'ai dit tantôt, la meilleure façon de changer, mais c'est toujours d'inscrire les choses dans un processus. Donc, il faudrait mettre en place des cadres de concertation, dialoguer, surtout dialoguer avec les anciens. Les transformations les plus heureuses, ce sont les transformations qui découlent de concertation. Et donc, effectivement, avec le départ massif des hommes, il y a beaucoup de villages où ce sont les femmes qui cultivent, mais la terre ne leur appartient pas. Et donc, en termes de... Je crois que c'est au niveau des mœurs, les choses devraient changer et après, cela va être ratifié par le droit. Et comme nous, ce sont des sociétés où le dialogue, la médiation, en tout cas, a toujours eu place centrale, je crois que c'est par ce biais-là qu'on va changer les choses tout doucement. Et en même temps, la question de la terre, c'est une question extrêmement sensible et délicate. Et donc, il faut y aller avec prudence. Et votre question est très, très pertinente. Absolument. Merci beaucoup. Et cette question m'est venue parce que j'ai connaissance de l'histoire américaine. Les femmes n'ont été autorisées à travailler. Je dis bien autorisées à travailler que ou après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que tous les hommes étaient déjà en lycée, donc dans l'armée, et ils avaient besoin de main-d'œuvre. C'est pourquoi ils ont fait appel aux femmes. Et
l'éducation a été un facteur très, très, très important. Pourquoi? Parce que des femmes, beaucoup de femmes étaient déjà bien éduquées, enseignantes, infirmières, etc. Mais ça a permis de tourner les usines. Et c'est pourquoi la production des armes a fait un grand essor, a reçu enfin une aide très, très importante des femmes. Mon idée était que, avec les problèmes de développement que nous avons actuellement en Afrique, surtout dans notre sous-région, si on faisait le dialogue, comme vous l'avez dit, c'est très important, avec les anciens, et que le développement des femmes, surtout avec les petites coopératives, on permettait aux femmes d'accéder aux terres, ce sera un très bon essor pour le développement de notre sous-continent, notre sous-région. Donc, c'est pourquoi l'idée m'est venue de leur donner accès à la terre. Et donc, c'était ça ma contribution. Donc, si vous avez un commentaire à faire sur ce sujet-là. Oui, votre contribution est très riche, d'autant plus qu'en fait, au Mali, par exemple, les femmes, en fait, se sont mises en lien, non seulement au niveau local, mais au niveau international, et se sont fédérées aux grandes organisations paysannes du monde, en fait, d'autres associations, d'autres organisations, d'autres fédérations de femmes. Et donc aujourd'hui, on a dépassé le stade des petites, certes, il y a des petites structures, mais aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de dynamiques extrêmement importantes et heureuses en Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, il y a un parallèle, effectivement, c'est très, très pertinent ce que vous dites. Il y a un parallèle entre, par exemple, la période où sortait de la Seconde Guerre mondiale, les femmes sont allées à l'usine et les hommes se sont rendus compte qu'elles travaillaient autant que les hommes. Mais après la guerre, il n'était plus possible de les renvoyer dans les familles. C'est comme en Afrique de l'Ouest, avec l'immigration forte. Les femmes sont aujourd'hui investies dans le maraîchage, et même si les hommes reviennent, je pense pas qu'ils vont revenir définitivement, mais même s'ils reviennent, elles ne reviendront plus définitivement dans les familles. Bien sûr qu'elles sont dans les familles, ce sont elles qui cuisinent toujours, mais en tout cas, une avant, on ne tourne pas à la roue de l'histoire à l'envers, et de ce que vous dites est très, très pertinent. Je vois que le temps qui nous est imparti est limité, donc on va pas tarder à dire au revoir à l'ensemble. Oui. Allez-y, absolument, je vous en prie. Absolument. Nous vous remercions de votre contribution, et aujourd'hui, le thème nous était présenté par Madame Aissata Ba, à qui nous devons remercier beaucoup pour cette contribution. Et donc, Madame Ba, ou Mademoiselle, si vous avez un dernier mot pour les auditeurs avant de clore cette émission. Merci Monsieur Diop. Je vais dire en couleur Kenny Dufour, le Djamzier Todou. D'ici la prochaine émission, je demande à chacun de cultiver la paix autour des plus proches et de l'élargir et d'en faire une devise. Donc, quel local Kenny le Djamzier Todou, l'ensemble, que la paix, en tout cas, touche l'ensemble des êtres qui nous écoutent. Voilà la notion importante pour moi. Je vous remercie, merci Monsieur Diop, et je remercie M. Dia. Merci beaucoup, merci, c'est très gentil. Dumnon Bandrabi Selabi, Moussi Behetro, Beheti, Amkwa, Behetro, Be Radio, Kukuriko, Michal, Mini, Onkani, Min, Baini, On, Yoala, Ouken, Nahour, Du, Doket, Jamu, Inch'Allah, Wallah, Yonkara, Rory, Sotak, Yandany, Yajan, Dumnon, Sibu, Yaya, Michal, Mini, Man, Nesu, Bangi, Teknito, Allah, Jara, Man, Jara, Man, Jara, Man, Jara, Man, Dadine no yam tambe lepti mi ko yo ko mo yi sa ke. Yadin yo ke mi ko kore